Bonjour, eh bien, une vidéo hebdomadaire un petit peu particulière hein, sur un sujet hyper sensible et extrêmement complexe. Donc, on va pas tout résumer en moins de 2 minutes. Ce sujet peut pas être résumé comme ça. Aujourd'hui, dans nos déambulations et sur appel de riverains, on est effectivement aux abords de la coulée verte, à côté du petit city stade de Gros Ballon, où il y a encore 11 stands derrière nous. Et on a été appelé aussi au parc de Morpa, au Gailleul. C'est au conservatoire, finalement ça se passe maintenant au TNB. Bref, c'est le sujet en fait des personnes qui sont sans papiers, sans abri, qui viennent, de l'étranger et qui sont soit en attente de papiers, soit en attente d'instances d'instruction pour, des documents de demandeurs d'asile, etc. Ce problème qui est très très complexe, il y a une chose qui est sûre, il y a des gens qui utilisent cette misère humaine, qui utilisent la détresse de ces gens-là pour l'instrumentaliser politiquement. Je m'explique. Aujourd'hui, quand on fait une demande d'asile, par exemple, eh bien, il y a une péréquation au niveau national et la personne, pendant qu'elle est en instruction, va pouvoir, par exemple, être amenée à déménager sur le territoire de Belfort où elle sera accueillie, où il y aura un pôle d'accueil, où elle ne sera pas dans une tente comme derrière moi. Eh bien, il y a des associations qui disent à ces gens-là, non, restez à Rennes, n'allez pas au territoire de Belfort. De même que quand les gens sont déboutés du droit d'asile après 2 instructions, eh bien, les départements voisins n'amènent plus d'aide à ces gens-là en disant, bah voilà, on a instruit le dossier, vous devez maintenant quitter le territoire. Eh bien, au département d'Ille-et-Vilaine, avec un tissu associatif activiste, on va continuer à donner de l'argent à ces gens-là, sachant qu'ils n'ont plus à rester sur le territoire. Donc ouais, c'est très très complexe. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les gens exploitent la misère humaine et que c'est les gens qui sont derrière moi qui en font les frais. À très bientôt.